Il est l'heure de décacher. Hier, j'avais repeint la partie brillante, noir brillant. Et ce matin, j'ai passé mes couches de la partie mate en dessous. Le pare-choc a plusieurs déformations, comme tu peux le voir. Et bon, c'est de la peinture. C'est de la peinture de chez Action, les gars. Tellement satisfaisant. Bon, je t'avoue qu'on voit pas réellement la différence entre le brillant et le mate. Les peintures de chez Action, ça brille pas tellement. Et voilà, fini avec les baguettes remises. Bon, mes baguettes sont abîmées, de toute façon même le pare-choc. Mais franchement les gars, ça fait hyper le taf pour 5 balles. Bombe Action, pour 5, ça m'a coûté environ 5 euros le pare-choc, 5,50. Eh ben ça fait le taf, c'est 100 fois mieux qu'avant. Tout de même, même si je le rappelle, c'est très très loin d'être parfait. Très très loin. Avec la partie basse mat, partie haute un peu plus.